Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous poser une première question si vous êtes connecté. Est-ce que vous m'entendez, voyez bien et est-ce que vous avez une bonne visue sur le PowerPoint que je vais dérouler cet après-midi? N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat. Super. On va peut-être attendre une petite trentaine de secondes, une minute, pour laisser le temps aux gens de se connecter, parce qu'on est pile à l'heure, ce qui est bien. Donc merci à ceux qui sont pile à l'heure. Bien, je vous propose de commencer. Bien, donc, je me permets de me présenter. Je m'appelle Luc Lecaque, j'ai l'honneur de piloter l'activité HCM au sein de Talentia. Donc, je serai votre hôte aujourd'hui pour illustrer le sujet du jour qui est comment les RH services ou les RH de manière générale peuvent accompagner la croissance et la transformation des entreprises. Alors pour me présenter, j'ai un peu plus de 12 ans d'expérience dans le secteur SIRH et HCM, accompagner des entreprises grands comptes ou bien des PME dans leur transformation digitale autour de la RH. Et c'est un peu cette expérience-là que je voulais partager avec vous et celle que nous vivons chez Talentia. Je suis passionné de RH et je viens de me rappeler rétrospectivement que mon premier job était dans la RH. Voilà, pour faire un petit retour en arrière. Bien, alors, à l'agenda, je vous propose aujourd'hui trois points, en trois séquences en tout cas. De quoi est-ce que nous parlons dans le contexte de transformation et d'hypercroissance des RH? Et je vais vous prendre des exemples que nous vivons tous les jours chez nos clients et dans les PME, PMI que nous adressons en France. Ensuite, une fois qu'on aura expliqué les contextes, peut-être les impacts ou les pressions que ces contextes imposent à la RH. Et enfin, dans une dernière partie, passer en revue un certain nombre d'initiatives de changements en cours dans les entreprises pour soutenir ces rythmes de croissance ou de transformation que les entreprises, les PME, PMI subissent en ce moment. On va commencer par l'aspect contexte. Alors, de quoi parle-t-on? Principalement de croissance. Je dirais que qu'elle soit endogène ou exogène, par exemple endogène sur l'introduction de nouvelles technologies qui amènent de nouvelles compétences nécessaires au sein de l'entreprise, au travers de fusion-acquisition, au travers d'expansion géographique, tout simplement. Beaucoup de nos clients, en fait, sont des entreprises ou des PME, PMI françaises qui, à un moment donné, veulent accélérer leur croissance et leur transformation, et notamment à l'international. Donc, implantation, pardon, d'une nouvelle usine, d'un nouveau bureau à l'étranger, et comment, finalement, la RH doit s'articuler de manière fluide et rapide autour de ces fusions-acquisitions. Autre sujet de transformation, tout simplement, chez beaucoup de nos clients, il y a et c'est le cas chez Talentia, il y a un plan stratégique à 3 ans, 5 ans, peu importe. Et la déclinaison opérationnelle de ce plan stratégique sur la partie RH amène un certain nombre de chantiers et d'initiatives à se lancer. Et donc, il faut que la RH soit
évidemment supportrice de de ce plan stratégique et de sa déclinaison opérationnelle. Et dernier aspect de transformation qu'on remarque de plus en plus dans les PME, à ma connaissance, c'est les projets de RSE. Effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de projets RSE sont en cours, ont été initialisés et évidemment impactent directement les services RH. Et on va voir dans quelle mesure, par des exemples très concrets que nous apercevons chez nos clients, voilà, l'ARH peut supporter ces projets de transformation de manière générale. Alors, juste avant de rentrer peut-être dans le détail, je vais probablement lancer un petit sondage sur deux ou trois thématiques. J'aurais aimé également partager avec vous les retours pour enrichir l'échange que nous avons actuellement. Donc, vous allez les recevoir au fur et à mesure. Vous avez, je crois, pas mal de temps pour y répondre. Et on pourra bien entendu en débattre, en discuter en fin de présentation. Et puis, si vous avez des questions, le chat est à votre disposition. Mes collègues, voilà, me feront part des questions probablement et puis je tâcherai d'y répondre au moment opportun. Bien, attaquons le cœur du sujet maintenant qu'on a parlé du contexte. Quels sont les impacts ou les pressions sur l'ARH qui en découlent finalement de ces projets de croissance et de transformation? Ce dont on s'aperçoit, c'est que la culture d'entreprise devient un élément clé. Je veux dire par là, on parlait tout à l'heure de fusion-acquisition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement un groupe qui rachète une technologie, un marché au travers de l'acquisition d'une start-up, par exemple, ou d'une entreprise plus petite. On voit bien qu'il y a là la confrontation potentielle de deux cultures RH différentes, avec des histoires différentes. Il y a une étude du MIT Sloan qui parle d'un chiffre assez impressionnant de départ suite à une acquisition. Donc, 33% des salariés sont susceptibles de quitter l'entreprise sous un an après la fusion ou le rachat de cette entreprise. Donc, c'est considérable et vous pouvez imaginer que perdre 33% de ses compétences et de ses talents a un impact considérable sur l'entreprise. J'ai malheureusement même vu des entreprises qui ont perdu jusqu'à 60-70% de leur effectif. Donc, vous imaginez le niveau de service, le niveau de production industrielle qui peut être impacté directement. Donc ça, c'est le premier impact que je ressens de manière extrêmement forte lorsqu'il y a de la forte croissance des projets de transformation au niveau du groupe, au niveau de l'entreprise. Le deuxième impact, ou la deuxième pression, c'est sur la gestion des talents, évidemment. Intégrer de nouvelles compétences au sein d'un groupe qui n'avait pas forcément toutes ces compétences, c'est un premier challenge d'intégration, de rétention de ces talents et puis aussi d'anticipation des nouveaux métiers également. On parlera, j'espère, tout à l'heure de strategic workforce planning, donc la planification stratégique des ressources humaines. Quand on sait que 85% pardon, des emplois en 2030 ne sont pas encore connus ou ne sont pas encore créés. Donc, on voit bien l'étendue du challenge qui existe là. Et enfin, le dernier impact, pour moi, après la culture d'entreprise, la gestion des talents, c'est la vélocité, la vitesse à laquelle vous allez exécuter, ou en tout cas les RH vont exécuter le plan stratégique, vont exécuter l'ensemble des transformations et mettre en place les initiatives dans ce cadre d'accélération. Donc, il y a pour moi ces trois aspects, au-delà même de la pression, je dirais, traditionnelle, d'accélération qui sont votre compétition, mais aussi le marché lui-même hein, qui a des demandes. Sa demande peut changer de manière extrêmement rapide sur un certain nombre d'exercices, mais c'est vraiment la vitesse d'exécution. Donc, pour résumer, la culture d'entreprise, gros impact. Comment est-ce qu'on peut partager, irriguer cela dans le cadre d'une fusion-acquisition? La gestion des talents, les nouveaux talents, les intégrer, les retenir. Et puis commencer à faire de la prospective sur les nouveaux métiers, les nouvelles compétences nécessaires dans les prochaines années et l'aspect vitesse d'exécution. Alors, je vais me permettre, dans la prochaine partie, de prendre quelques exemples de ce que un certain nombre de nos clients, de ce que je vois sur le marché,
en termes d'initiative pour répondre à cette pression dont on parlait tout à l'heure, sous le sceau de la transformation ou de la croissance. Pour moi, il y en a cinq principalement, mais évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est cela que je voudrais partager avec vous et surtout dans les sondages et les feedbacks que j'aimerais que vous partagiez. N'hésitez pas à me faire part aussi de ce que vous avez pu voir de votre côté, peut-être même dans vos entreprises. Pour moi, la première dimension ou le premier chantier, c'est vraiment les processus RH. On parlera d'automatisation, on parlera de productivité RH. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui tourne autour de la culture d'entreprise. On va en parler, notamment de la culture du feedback. Ensuite, une troisième dimension, un troisième chantier sur lesquels les entreprises travaillent ou ont commencé à travailler, c'est sur l'analyse des données RH. Dans un contexte de données hétérogènes, comment réunir les données pour que les décideurs RH et les autres d'ailleurs puissent prendre les bonnes décisions et au bon moment. Le nerf de la guerre, bien entendu, reste dans le domaine RH pour soutenir ses croissances et ses transformations, c'est la gestion des talents. On fera un petit focus sur ce sujet-là. Et enfin, comment est-ce qu'on peut faciliter cette fameuse vélocité, cette fameuse accélération dans les services RH au service de l'entreprise. Donc, je vous propose de passer ces cinq dimensions au fur et à mesure. Et tout ça est sous-entendu qu'on a une digitalisation. Donc, toutes les entreprises ne sont pas encore digitalisées au sens RH du terme, mais partons du postulat et de l'hypothèse qu'on est dans un début ou déjà dans une certaine forme de maturité de la fonction RH digitalisée. Je vais commencer par les processus RH. Donc, les enjeux, quels sont-ils ici? C'est l'automatisation et versus la productivité de la RH. Comment aller plus vite, gagner du temps, vous permettre de vous focaliser sur des tâches à valeur ajoutée et non des tâches chronophages à faible valeur ajoutée. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qu'on néglige parfois, me semble-t-il, c'est l'urbanisation des flux. Alors, je veux dire, par là, c'est que dans un système d'information qui est généralement hétérogène par nature, il faut savoir orienter les flux entrant ou sortant de votre système RH, que ce soit on parle de système de paye ou de système HCM comme celui de Talentia. Donc, avoir une réflexion assez holistique de comment mes flux doivent alimenter qui et comment mon système d'information RH doit être alimenté. Et je prendrai deux exemples, enfin, en tout cas un exemple autour d'un processus qui peut toucher à améliorer en tout cas la productivité RH au travers de l'automatisation de ce qu'on appelle le X-boarding. Donc le X-boarding, terme un peu générique, qui couvre les réalités depuis le pré-boarding jusqu'à l'off-boarding du collaborateur, évidemment en passant au centre par l'onboarding et tout ce qui est gestion de la mobilité. Et notamment avec un exemple assez classique, j'ai envie de dire, qui est la génération du contrat de travail lorsque le candidat devient salarié au travers de la génération de son contrat de travail avec des signatures électroniques multiples, etc. Donc, je voulais partager avec vous cet exemple très simple où on peut déjà avoir du ROI autour de l'automatisation et améliorer la productivité RH. Alors, l'onboarding, c'est assez intéressant comme sujet, je trouve. Parce qu'il est assez simple à toucher du doigt. Il y a un certain nombre de statistiques ou d'études qui ont été faites et on voit que LinkedIn, par exemple, je crois que c'était en 2021 ou 2022, a trouvé que 22% des démissions se faisaient sous les 45 jours après l'arrivée du salarié. Donc, c'est un impact considérable et on voit bien que là, l'onboarding n'a pas qu'une vocation, en tout cas, son automatisation n'a pas qu'une vocation à être plus productif, mais aussi à retenir les candidats parce que ça impacte sur son sens de l'engagement et son sens de l'appartenance à l'entreprise. Donc, un processus d'onboarding efficace a à la fois un intérêt ou en tout cas un impact sur votre productivité RH, mais aussi sur le climat, entre guillemets, et le sens de l'appartenance et de l'engagement donc du collaborateur, au moins sur les 45 premiers jours, en reprenant cette statistique,
ou même sur la première année, où on voit que 45% des démissions se font en ce moment, en tout cas ces dernières années, sous la première année. Donc, je vais faire un petit focus particulier sur l'onboarding, qui, je trouve, est un processus assez simple à optimiser, où les gains sont assez rapides. Donc là, je me suis permis de dessiner un exemple de processus d'onboarding assez classique pour vous illustrer un peu ce que Talentia peut proposer. Mais de manière générale, il y a un processus d'onboarding qui peut commencer au stage 0 qu'on voit là, où le processus permet de collecter, donc gagner du temps, de collecter les données du candidat et déposer par le candidat lui-même sur un portail candidat. Typiquement, ce qu'on voit chez nous, chez nos clients, c'est je veux récupérer le permis de conduire, le permis poids lourd, ce que vous voulez, le permis scooter, et ça évite des transactions, des envois de mails entre les uns et les autres, etc. Et on voit certains processus de pré-boarding où on impose que pour valider le dossier, entre guillemets, il faut un certain nombre de pièces obligatoires. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Et puis après, vous avez le processus qui se déroule à partir du moment où le manager peut initialiser, en tout cas initier la demande d'onboarding lui-même. Donc on voit là déjà un début d'optimisation de la productivité où le manager devient finalement un collaborateur RH. Et ça, c'est intéressant parce que le triptyque RH traditionnel, il doit aujourd'hui, à mon sens, s'ouvrir vers le manager. Le manager est aussi un manager RH finalement, versus le collaborateur. Et d'ailleurs, le manager est aussi un collaborateur par ailleurs. Ensuite, si on passe en phase 2, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur la chaîne ou sur le chemin de l'onboarding. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois des checklists, avoir un processus séquentiel ou parallélisé qui permet de ne rien oublier sur la trajectoire. Est-ce qu'il a bien rempli et signé la politique d'éthique, est-ce qu'il a bien déposé tel ou tel document nécessaire à la création de son contrat de travail, par exemple. Et donc la génération automatique du contrat de travail qui est nécessairement accélérée, notamment par la mise en place de templates, ce qu'on appelle des templates de documents ou de contrats, même si vous avez 35 contrats de travail différents parce que vous avez des catégories, des métiers différents. Voilà, l'unification, en tout cas, de ce contrat de travail permet de gagner du temps. Et je vous donnerai un exemple tout à fait vivant que nous connaissons chez nos clients utilisant l'onboarding. Et puis après, les premiers jours, évidemment, en étape 3, on peut faire ce suivi. On sait que tel individu ou tel candidat, en tout cas, excusez-moi, tel collaborateur désormais a fait 75% et un système d'alerte, de notification permet de lui rappeler, ou même à échéance d'une date que vous fixerez, peut recevoir un email de rappel en disant attention, tu as oublié de charger ton permis de conduire la date de clôture, c'est après-demain. Étape 4 et 5, collecter du feedback également, ça c'est intéressant aussi. Et je pense que la notion d'appartenance dont je parlais tout à l'heure à l'entreprise en tant que nouvel arrivant, c'est important de pouvoir collecter au travers de typiquement d'outils d'enquête que nous proposons et de collecter ces aspects-là et les analyser. C'est ça qui est le plus important. Et ça nous ramène à un des sujets de tout à l'heure qui est l'analyse des data RH. Donc, ce n'est pas uniquement des chiffres. Hein, l'analyse des data RH, vous en doutez bien, c'est aussi des enquêtes, je dirais, de nature qualitative où on peut recueillir des feedbacks des collaborateurs. Voilà. Un exemple sur lequel aujourd'hui on voit un certain nombre de bénéfices assez court terme, finalement assez rapides. L'un de nos clients mettait plus de 3 jours pour émettre un contrat de travail, traditionnellement. Et avec la mise en place justement de l'automatisation de l'onboarding, de son onboarding, aujourd'hui il met 3 heures pour sortir un contrat de travail. Donc c'est un gain considérable. Bien entendu en temps, mais je pense que y a aussi une notion de qualité qu'on ne doit pas oublier, qui est assez difficile à mesurer derrière, c'est que toutes les pièces y sont, toutes les étapes sont passées et dans un timing que vous pouvez suivre en tant que RH ou en tant qu'entreprise, de telle sorte que voilà, ça soit fluide et non pas des ruptures, des silos entre un service ou un autre,
et ça dans le timing que vous allez mettre en place. Et je pense que la notion de qualité de l'onboarding aussi se matérialise au travers de l'enquête dont on parlait tout à l'heure, collecter les feedbacks. Voilà un exemple de processus administratif où on peut parler d'optimisation rapide. Il y a évidemment plein d'autres, mais je pense que cet exemple était assez intéressant à partager avec vous, je trouve. Ensuite, on va parler d'engagement, de culture d'entreprise, hein, à quel point au moment d'une fusion-acquisition, d'un rachat, ou même d'intégration de nouveaux talents, la culture d'entreprise peut être un accélérateur ou un frein, à la fois à l'intégration, mais aussi à la productivité du collaborateur. Et moi, je trouve que voilà, pour avoir un collaborateur engagé dès le day one, l'onboarding, un outil assez utile, mais je pense que c'est surtout la culture du feedback et de la communication qui est essentielle. Je vous parlais notamment de ces exemples de groupes qui rachètent des startups ou des technologies de niche assez pointues. Et donc, ces startups se retrouvaient finalement intégrées dans des groupes plus grands, avec probablement une culture d'entreprise différente, avec une taille différente. Comment est-ce qu'on optimise l'intégration de ces nouveaux collaborateurs issus de la fusion dans le nouveau paysage dans lequel ils se trouvent? Alors, quelques exemples qui me semblent des exemples assez pragmatiques, assez simples à mettre en place. Mettre une page personnalisée. Je trouve que la personnalisation au niveau collaborateur est absolument essentielle, qu'on peut proposer des pages d'accueil qui soient non pas des pages génériques, la même pour tout le monde, mais au contraire, il faut avoir un accent de personnalisation où vous pouvez pousser du contenu de l'entreprise de manière générique, évidemment. Par exemple, on lance le projet RSE, c'est intéressant pour eux, mais aussi de pousser du contenu personnalisé aux collaborateurs, parce qu'ils travaillent sur tel site, parce qu'ils appartiennent à une catégorie particulière de collaborateurs, et de lui pousser de manière automatique des datas qui l'intéressent sur sa page personnalisée. Après, il y a d'autres exemples de diffusion, en tout cas d'aide à la diffusion de la culture, de cette culture d'entreprise nécessaire. C'est évidemment tout ce qui est mise en place d'enquêtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus utilisé, notamment dans ce qu'on appelle l'employee engagement, pardon, pour le dire en bon français. Et aujourd'hui, l'enquête et surtout la participation du collaborateur dans des initiatives d'entreprise au travers de ces outils d'enquête, de participation, on trouve qu'il y a des impacts directement sur la diffusion de la culture d'entreprise et du sens de l'appartenance dont on parlait. Voilà pour la culture d'entreprise. À présent, les données RH. Donc, les données RH, je crois qu'il y a à peu près 40%, des dernières études que j'ai pu traverser, qui étaient de 2022, me semble-t-il, plus de 40% des RH se plaignaient de ne pas avoir de données pour la prise de décision, et en tout cas dans les temps nécessaires. Donc ça, c'est une statistique assez répandue désormais, me semble-t-il, dans les entreprises. Et il y a un consensus autour de ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir accéder à la donnée, à la fois de manière rapide, bien entendu, mais aussi de manière simple, sachant que le fond du sujet, c'est qu'au sein même de votre HCM ou de votre SIRH, vous avez peut-être déjà plusieurs modules, plusieurs domaines, voire même plusieurs fournisseurs. Et la difficulté, c'est d'accéder simplement à cette data. Et bien entendu, avoir des données, un outil d'analyse de données RH qui permettent d'aller vite. En faisant notamment permettre naturellement, nativement, de faire ce qu'on appelle du drill down, donc forer l'information, et puis le niveau le plus élevé, le niveau agrégé, et puis de retrouver qui sont les collaborateurs qui participent à ce résultat général. Plein de domaines dans lesquels l'analyse des données RH que nous voyons sont indispensables et sont des
des supports à la croissance et à la transformation. Quel candidat pour quel poste? Quelles compétences, typiquement? Qui a suivi parmi les cadres de l'usine de Bourges la formation au leadership? Qui sait répondre à ça très rapidement gagnera cette bataille, en tout cas, de l'analytique autour de l'ARH. Sujet suivant concerne la gestion des talents. Je le disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Je ne vais pas vous sortir les statistiques de difficulté d'attraction des candidats. Nous-mêmes, nous la subissons chez Talentia. Rareté de la ressource, difficulté à attirer, retenir ensuite, et puis faire grandir le collaborateur, et donc ainsi participer à l'optimisation du pool de collaborateurs. Et l'enjeu, c'est bien entendu, in fine, un collaborateur qui est heureux est un collaborateur engagé. Alors, évidemment, mettre en place un parcours collaborateur en termes d'exemple. Alors, j'aime pas cette expression, mais je l'ai mise quand même. Hire to retire. Voilà, c'est un peu désuet, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on reste beaucoup depuis son premier job jusqu'à sa retraite. Et c'est ce parcours qu'il faut, à mon sens, travailler pour développer cet engagement. On a parlé tout à l'heure de X-boarding, et à l'intérieur de l'X-boarding, il y a une notion de cross-boarding ou de gestion de la mobilité interne du collaborateur. Et bien entendu, ça doit être un travail collaboratif et que l'entreprise doit proposer pour avoir un collaborateur qui soit le plus longtemps possible. Quand on connaît les coûts de formation d'un nouveau collaborateur et son début opérationnel, on voit bien que c'est nécessaire pour le conserver plus de 9 mois, qui est souvent le délai moyen pour que l'acquisition de compétences nécessaires. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres outils qu'on voit beaucoup utilisés au-delà des entretiens obligatoires. Oui, c'est important de pouvoir faire ces entretiens obligatoires à l'heure, mais c'est aussi important de pouvoir établir un dialogue avec le collaborateur. Et moi, je suis un grand fan de la conversation continue, sous quelque forme que ce soit, hein, une forme formelle ou informelle, hein, plutôt de wellness, hein, entre guillemets, conversation, où on maintient tous les mois, tous les 3 mois, peu importe, à votre rythme, une conversation entre un manager et son collaborateur, ses équipes. Et je pense que ça, c'est particulièrement important dans cette notion d'engagement et de rétention de collaborateurs. Les sujets de Ninebox également, donc cartographie des compétences et du moins des collaborateurs au sein d'un schéma de compétences. Ça aussi, c'est un outil intéressant à mettre en place pour travailler sur cette rétention collaborateur. Et puis, dernier exemple, j'en parlais tout à l'heure, le manager opérationnel est un RH. Et je pense qu'il faut qu'on pousse dans cette direction. En tout cas, dans notre solution, voilà, il y a 3 interlocuteurs principaux, hein, le collaborateur, évidemment, le manager et la RH. Et l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur le manager parce que c'est lui le premier RH de l'entreprise au niveau le plus proche de ses collaborateurs. Ensuite, la vélocité RH. Donc, on parlait de vélocité et de nécessité d'accélération dans le cadre de transformation et d'hypercroissance, de fusion, d'acquisition. On voit bien que ça impacte la vélocité elle-même de la RH et la vitesse à laquelle elles doivent exécuter les initiatives opérationnelles au service de votre plan stratégique. Donc, pour moi, la RH doit vraiment être un accélérateur et un support de cette transformation. Prenons quelques exemples qui pourraient illustrer, mais évidemment, encore une fois, ça n'est pas exhaustif. L'assistant virtuel, je trouve que c'est une très bonne idée. Assez peu d'entreprises, finalement, l'utilisent aujourd'hui pour établir un dialogue, j'ai presque envie de dire temps réel, avec le collaborateur, mais je pense que ça, c'est un outil intéressant en termes de mise en place avec un coût de total cost of ownership qui est assez faible et qui permet pour autant d'établir un dialogue avec les collaborateurs, qu'ils obtiennent ces réponses. Alors, je ne vais pas rentrer dans la tarte à la crème de la dimension générationnelle, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus vite dans les réponses que la RH, en tout cas, ou de l'entreprise doit fournir aux questions
et aux interrogations des collaborateurs. L'IA générative, alors l'IA de manière générale, classique, générative, etc., est également une dimension sur laquelle nous travaillons. Et je pense qu'il y a plein de gains là qui vont soutenir la vélocité. Je prends juste quelques exemples de génération de contenu autour de l'IA générative. Bien entendu, comment décrire une fiche de poste dans l'aspect du recrutement, dans la gestion des compétences, générer très rapidement une fiche de poste avec les compétences requises pour un poste donné. Voilà quelques exemples qui illustrent en quoi l'IA peut accélérer et aider à la vélocité RH qui est nécessaire. Voilà, j'ai fait le tour des cinq sujets, encore une fois non exhaustifs, qui me semblaient importants de partager avec vous aujourd'hui. Quelles sont ces initiatives, ces domaines dans lesquels on peut agir avec un ROI assez rapide pour soutenir la croissance et la transformation RH que subissent les entreprises. Donc, processus RH, optimisation, culture d'entreprise, sa diffusion, le maintien de ce canal de communication, l'analytique autour des données RH, surtout dans des systèmes hétérogènes et fragmentés, la gestion des talents, évidemment, et cette vélocité RH qui est imposée par ces sujets de transformation. Donc pour moi, pour conclure, je dirais que si on peut rester le plus possible à la fois holistique et systémique, c'est ça qui est intéressant dans l'apport de l'ARH en tant que support de la croissance. Holistique, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut avoir une vision globale du système et non pas réfléchir gestion de la formation d'un côté, gestion du recrutement de l'autre. Tout ça, pour moi, est à voir dans son ensemble, mais aussi de manière systémique, parce que chacun des modules, notamment dans des solutions intégrées telles que Talentsia, permettent d'avoir des interactions au moment de l'entretien. On sait proposer un catalogue de formation aux collaborateurs, etc. Pour prendre un exemple très, très basique. Donc, rester holistique et en même temps systématique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le collaborateur, il doit être au centre de l'entreprise de plus en plus. Alors, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte ou une fenêtre, je ne sais plus. Mais je pense qu'il est important de remettre au centre du schéma qu'on voit là le collaborateur et l'ARH qui vont pousser et faciliter la croissance et la transformation des entreprises. J'en ai terminé. J'espère que vous avez plein de questions. N'hésitez pas, je suis disposé à répondre aux questions si il y en a. Une question, pouvez-vous revenir sur le tout neuf box par la suite? Oui. Alors, il y a une question sur la Ninebox. Donc, comme je vous disais, c'est un outil de cartographie qui est assez intéressant, me semble-t-il, dans l'engagement collaborateur. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les exemples que j'ai pu voir dans les PME, PMI que nous adressons, c'est la mise en place de cette Ninebox, en fait, impose un certain nombre de travaux préalables qui touchent directement à l'engagement collaborateur. Savoir cartographier les compétences des collaborateurs, c'est un sujet de la gestion des talents qui est, je dirais, fondamental, et en même temps de pouvoir tracer entre manager et l'ARH une trajectoire sur un certain nombre de collaborateurs et faire évoluer cette trajectoire. Ça permet de bâtir ce fameux parcours collaborateur dont je parlais et d'inscrire le collaborateur peut-être dans une dimension un peu plus moyen terme au sein de l'entreprise. Et ce qu'on voit souvent, c'est couplé à la conversation continue. Ça permet typiquement, voilà, de manière très pragmatique, de proposer une formation, de faire évoluer le. Là, on a plein de potentiel inexploité, me semble-t-il, et dont on n'a même pas connaissance d'ailleurs, en termes d'expertise, de compétences techniques ou d'autres, au sein de nos populations respectives. Et faire ce travail de Ninebox, ça permet de poser un framework finalement de cet engagement collaborateur, me semble-t-il. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je vous ai donné mon avis sur la Ninebox. On va partager les sondages.
Ah oui, on me dit, on va partager les sondages et avec plaisir de participer, enfin d'échanger avec vous sur... Je ne vois pas les résultats. Je te mets sur un peu de chat. Une petite... Ça. Ah ça, sondage. Alors, est-ce que vous voyez le résultat? Oui? Non, normalement, tout le monde les a eu. Ouais. Donc, quel facteur, je relis la question du sondage. Pardon. Quel collaborateur, quel facteur, pardon, contribue le plus à maintenir la culture d'entreprise? Une des thématiques que j'ai développées tout à l'heure. Encourager la participation, on en parlait encore, à travers l'initiative. Dans le cadre de l'employee engagement, 100% d'accord. Valoriser les valeurs fondamentales de l'entreprise, très très vrai également, et non pas les valoriser, mais pas les imposer. Et ça, c'est toute la subtilité du jeu, surtout quand on vient d'une petite start-up qui vient d'être rachetée. C'est vraiment indispensable de partager la vision, pourquoi vous avez été racheté, à quoi vous allez servir au sein de l'entreprise, en quoi vous allez contribuer. À valoriser cette fusion, typiquement pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Et voilà, donc renforcer l'intégration, pas de réponse sur renforcer l'intégration des nouveaux employés, même si je suis persuadé que les phases d'onboarding sont absolument indispensables. Deuxième question, quelle solution RH est prioritaire pour accompagner une entreprise en pleine expansion? Je vois 100% accompagnement en gestion du changement. Oui, la RH est un acteur fondamental de la gestion du changement et peut-être que modestement, au travers des petites initiatives qu'on vient de partager sur la culture d'entreprise, la vélocité, les processus RH, évidemment que c'est, je partage complètement cette opinion. Enfin, dernière question, un dernier sondage. Quels défis sont les plus critiques pour les services RH pendant une phase d'hypercroissance. Recrutement massif. On a assez peu parlé, je suis désolé, mais évidemment que le recrutement est un sujet, et notamment, si on reprend la statistique où on perd 33% de ses collaborateurs sous un an après la fusion, hein, que je citais tout à l'heure, le recrutement massif ou pas est un sujet critique en ce moment. Et donc, faire que le processus de recrutement soit simple, pas trop long pour le collaborateur, c'est un signal, évidemment, de marque employeur. Vous savez très bien à quel point on peut perdre des collaborateurs, en tout cas des candidats, tout au long d'un processus de recrutement, parce que le processus est trop compliqué, trop, voilà, trop, avec trop d'étapes, etc. Et la deuxième réponse à 50%, c'est maintien de la culture d'entreprise. Vous prêchez un convaincu, j'en ai parlé. Diffusion, diffusion, diffusion et collecte du feedback sur la culture d'entreprise. Et ça, 100% d'accord avec la remarque. Merci pour vos contributions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Peut-être quelques mots sur Talentia, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Talentia est un éditeur et intégrateur de solutions RH et finances. C'est un éditeur français implanté dans plus de 9 pays en Europe et en Amérique du Sud, Amérique du Nord, pardon. On adresse tous les secteurs d'activité et voilà, avec une équipe de R&D et de management très présente. Les deux plateformes que l'on propose, sont effectivement, alors ce qu'on vient de voir un peu avec Duc, la plateforme RH avec au cœur un corps RH qui distribue
l'ensemble des processus allant de la paye jusqu'à la gestion des talents dont on vient de parler, et également une suite finance, et là qui nous intéresse moins sur le sujet, mais voilà, c'est de la même chose, de la comptabilité qui va jusqu'à le pilotage de la performance financière. Voilà pour Talentia rapidement. Y a-t-il encore des questions? Je n'en vois pas. Très bien. Non. Plus de questions, super. Merci énormément à tous ceux qui ont participé pour votre temps. Évidemment, le replay sera adressé. Ceux qui sont partis, je les remercie aussi. Post-présentation. À très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.